Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la visite du ministre chinois des Affaires étrangères en Afrique. Wang Yi a entamé sa première visite de l'année 2016 sur le continent africain ce samedi. Il se rendra au Malawi, à l'île Maurice, au Mozambique et en Namibie. Monsieur Wang rencontrera les dirigeants et les ministres des Affaires étrangères de ces pays pour s'entretenir de la façon de mettre en œuvre les résultats du forum de coopération Chine-Afrique du mois dernier à Johannesburg et dénoncer les zones et projets de coopération prioritaires. Wang Yi se rendra ensuite au Royaume-Uni pour participer à la conférence syrienne des donateurs, également connue sous le nom de conférence internationale des donateurs en Syrie. Il y a un peu moins de 2 mois, le président chinois Xi Jinping a assisté à la cérémonie d'ouverture du second sommet du Forum de coopération Chine-Afrique à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il y avait proposé d'élever les relations Chine-Afrique au rang de partenariat de coopération stratégique et annoncé 10 programmes de coopération pour les 3 prochaines années. Il a également souligné l'importance des relations entre la Chine et le continent africain. Une aide au développement à long terme. L'an dernier, le président Xi Jinping a annoncé une aide et des prêts portant sur 60 milliards de dollars pour aider le continent à s'attaquer à 3 grandes difficultés, les infrastructures, les talents et le financement. Durant la cérémonie d'ouverture du Forum de coopération Chine-Afrique le 4 décembre, le président avait dit que le plan de financement allait permettre d'assurer le déploiement de 10 plans d'action concrets pour la coopération dans les 3 prochaines années afin d'aider le développement de l'Afrique. Les 10 plans de coopération couvrent les domaines de l'industrialisation, de la modernisation de l'agriculture, des infrastructures, de la réduction de la pauvreté et des échanges de personne à personne. Le président Xi a aussi salué les relations Chine-Afrique dans leur état actuel. Les relations Chine-Afrique ont atteint aujourd'hui un état de croissance sans précédent dans l'histoire. Nous devons réduire les écarts, regarder loin et prendre des mesures audacieuses. En nous entraidant, nous pourrons avoir une vision et une force pour 2,4 milliards de Chinois et d'Africains et ouvrir une nouvelle ère de coopération gagnant-gagnant et de développement commun. Avant cette visite, le président Xi avait mis l'accent sur l'importance des relations sino-africaines à plusieurs reprises. Durant ses discussions avec son homologue libérienne, Helen Johnson Sirleaf, à Beijing le 3 novembre 2015, le président avait mis l'accent sur le fait que l'unité et la coopération avec les pays africains avaient toujours été au cœur de la politique étrangère chinoise. Lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies le 28 septembre 2015, le président Xi avait soutenu une plus grande représentation et une plus grande voix pour les pays d'Afrique dans le système de gouvernance internationale. Lors de sa rencontre avec le premier ministre namibien Hage Geingob à Beijing le 8 avril 2014, le président Xi avait déclaré que la Chine avait une vision correcte de la moralité et des intérêts dans sa coopération avec l'Afrique et allait continuer à aider les pays africains. Et nous restons sur le continent africain puisque le 26e sommet de l'Union africaine s'est ouvert samedi après-midi au quartier général de l'organisation située dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Alors que le thème de la réunion de 2 jours se concentre sur les droits de l'homme, les dirigeants du groupe de 54 membres discuteront d'autres questions qui touchent le continent, y compris les problèmes au Burundi et la sécurité alimentaire. Par ailleurs, le mécanisme africain d'examen par les pairs a été relancé pour promouvoir la bonne gouvernance. C'est un outil pour les pays africains qui facilite l'évaluation des progrès de chacun des membres basé sur la démocratie, la gouvernance politique et administrative, ainsi que le développement social. Nous nous sommes engagés à examiner les mécanismes alternatifs pour nous assurer que le processus conserve son indépendance. Mais en même temps, nous devons nous assurer de mobiliser les ressources nécessaires pour leur permettre de faire leur travail. Nous nous sommes aussi engagés à travailler ensemble pour que d'autres membres de l'Union africaine puissent se joindre au processus. Un mécanisme africain développé par les Africains et dirigé par les Africains.
Crise syrienne à présent. Les premiers pourparlers de paix sur la Syrie ont débuté officiellement vendredi au sein des bâtiments des Nations Unies à Genève. L'un des groupes clés d'opposition a accepté d'y participer à la dernière minute en insistant néanmoins sur le fait qu'il ne négocierait pas. Les discussions devaient débuter lundi mais ont été repoussées à vendredi en raison de l'absence de l'opposition. Reportage. Le chef de la délégation gouvernementale syrienne est arrivé au bâtiment des Nations Unies à Genève sans faire de commentaires alors que les pourparlers de paix étaient officiellement en cours. La plus importante coalition d'opposition a déclaré qu'elle ne participerait pas alors qu'ils sont les plus intéressés par repousser une nouvelle offensive militaire du gouvernement dont des frappes militaires russes. Désormais, ils viennent mais insistent sur le fait qu'ils ne négocieront pas avec le gouvernement syrien. Nous allons commencer à discuter avec les Nations Unies de tout dossier important, humanitaire et des détenus politiques. C'est ce qui est important à nos yeux. Et la Turquie soutient l'appel de l'opposition à un cessez-le-feu immédiat. Leur participation à des discussions sans aboutissement à un cessez-le-feu serait une trahison pour ceux qui se battent sur le terrain. Ils veulent un cessez-le-feu immédiat pour participer aux discussions. Et malgré l'opposition saoudienne, la Turquie ne veut pas que les discussions comprennent les combattants kurdes qui contrôlent de larges parties au nord de la Syrie. Et compte tenu de la complexité des négociations, les Nations Unies pensent qu'elles dureront au moins 6 mois. Les discussions de paix n'impliqueront pas de négociations en face à face entre le gouvernement syrien et ses opposants. À la place seront organisées des discussions de proximité avec des navettes ou messagers qui informeront les participants dans différentes salles. Mais tout d'abord, les Nations Unies doivent réunir toutes les parties dans ces salles. L'objectif ultime est un accord de paix qui inclura une période de transition qui prendra fin avec des élections. Plus de 260 000 Syriens sont décédés et 11 millions d'autres ont fui leurs habitations durant les 5 années qu'a duré la guerre civile. Un fort tremblement de terre a touché l'est de la péninsule russe du Kamchatka. Dans l'immédiat, aucun dégât ni aucune victime n'a été déploré. Le Bureau des études géologiques des États-Unis a enregistré le séisme à une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter, près de la ville de Yelzilovo, à l'est de la Russie. Il s'est produit aux environs de 3h30 GMT. Le centre d'alerte au tsunami du Pacifique a de son côté déclaré qu'il n'existait pas de risque de raz-de-marée. La péninsule fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, une zone géologique active où les séismes et les éruptions volcaniques sont fréquents. Le virus Zika continue d'affecter le Brésil avec un nombre croissant de bébés naissant avec des têtes anormalement petites. L'Organisation mondiale de la santé affirme que le virus connaît une croissance explosive et pourrait infecter 4 millions de personnes dans tout le continent américain. L'atmosphère n'est pas à la samba à Rio. Une épidémie de Zika, un virus transmis par le moustique, s'étend en effet au Brésil. Les scientifiques rapportent de nouveaux cas dans 21 pays d'Amérique du Nord, du Sud et des Caraïbes. Ici au Brésil, le virus est tenu pour responsable de la naissance d'un grand nombre de bébés microcéphales, c'est-à-dire ayant une tête anormalement petite. 166 des près de 4000 cas rapportés au Brésil ont été observés à Rio, mais c'est assez pour que des mesures drastiques soient mises en place. L'inquiétude s'est répandue dans Rio à l'approche des grands événements à venir. Durant le carnaval, des foules de tout le pays et du monde entier sont attendues, ce qui risque de favoriser l'expansion du virus. Cette semaine, la ville a déployé des fumigateurs dans le stade du carnaval, le fameux Sambadrome, qui accueillera la parade des meilleures écoles de samba les 7 et 8 février prochains et qui sera également utilisé pour les épreuves olympiques de tir à l'arc l'été prochain. Manuela Mel, une habitante de Rio, enceinte de 4 mois, dit qu'elle a paniqué à l'annonce de l'épidémie et qu'elle n'osait plus sortir de chez elle. Maintenant, elle évite simplement les lieux les plus risqués. Les médecins me disent d'utiliser du répulsif. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose d'autre à faire. Il n'y a pas de vaccin et seule la prévention est efficace. Il faut éviter de se faire piquer. Et les experts de la santé étudient le virus qui n'est arrivé au Brésil que récemment. Et le gouvernement a ordonné à l'armée d'aider à l'assainissement des eaux stagnantes qui favorisent la reproduction des moustiques. Même dans les endroits où il est rare de trouver des moustiques, le Brésil prend toutes les précautions. Il y a beaucoup d'argent en jeu avec les milliers de touristes qui sont attendus pour le carnaval.
Et un peu plus tard dans l'année, le Brésil attend autant, voire encore plus de touristes pour les Jeux Olympiques. Merci de rester en notre compagnie pour la seconde partie de cette édition. C'est maintenant l'heure de notre rubrique Aujourd'hui la Chine, présentée aujourd'hui par Raïssa Girondin. Raïssa, bonjour. Bonjour Elsa. Pouvez-vous nous dire ce qui fait la une de l'actualité en Chine aujourd'hui? On va débuter avec une très bonne nouvelle, avec le sauvetage de ces quatre mineurs prisonniers. Après un mois d'opération de sauvetage, quatre mineurs prisonniers après l'effondrement d'un tunnel dans une mine de gypse ont pu être remontés à la surface hier soir. Remontés à la surface après 35 jours de captivité. Quatre mineurs ont pu être sauvés grâce au creusement d'un tunnel de 220 mètres. Ils étaient prisonniers après l'effondrement du site le jour de Noël. Notre mission faisait face à de nombreuses difficultés, des températures glaciales mais aussi une coordination entre les différents départements. Mais nous y sommes arrivés. L'effondrement de la mine était si énorme qu'il a provoqué un séisme de magnitude 4. Depuis, les sauveteurs se sont employés à creuser des trous pour tenter d'atteindre les survivants. Et ça a marché. C'est une première en Chine. Après un mois d'efforts, la mission de sauvetage a été rendue difficile par les conditions géologiques. Mais personne n'a jamais pensé à abandonner depuis que le premier survivant a été détecté. Cinq jours après l'accident, les sauveteurs ont envoyé une caméra à infrarouge qui a enregistré les images de ce mineur survivant. Le processus de sauvetage n'a pas été facile. Toute erreur dans le creusement aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Les progrès ont été lents. Les quatre mineurs ont survécu grâce à la nourriture, à l'eau et aux médicaments qui leur ont été envoyés grâce à un puits étroit et aussi grâce à l'espoir. Nous avions commencé avec un marteau piqueur et on a réussi à créer une circulation de l'air. L'important dans ce genre de méthode est de savoir que tout dépend de la formation du sol et des conditions géologiques. Et nous devons nous assurer que le trou ne s'effondre pas. Ce sont les deux principaux problèmes à résoudre. Les quatre mineurs semblent en bonne santé. Ils ont été emmenés à l'hôpital pour des examens. 13 autres mineurs sont toujours portés disparus. Et les responsables disent vouloir continuer les recherches. Et ces quatre mineurs sauvés de la mine effondrée du district de Pingyi dans le Shandong, province de l'est de la Chine, sont dans un état stable et demeurent conscients. Les mineurs ont été extraits de la mine et envoyés à l'hôpital après 36 jours passés sous terre. Les médecins les ont examinés samedi matin. L'un d'entre eux souffre de fractures à la jambe. Les médecins disent qu'ils vont continuer à surveiller les mineurs et qu'ils pourront bientôt rejoindre leur famille. Pour rappel, la mine de gypse où ils travaillaient s'est effondrée le 25 décembre avec 29 mineurs à l'intérieur. 11 ont été immédiatement sortis, 1 est mort et 13 sont toujours portés disparus. Et revenons sur cet incident lorsque les quatre mineurs étaient encore pris au piège et la manière avec laquelle les secouristes ont communiqué avec eux. Zhao Zhechang, 50 ans, Liu Chushang, 39 ans, Guan Qingqi, 58 ans et enfin Hua Mingxi, âgé de 36 ans, sont encore pris au piège dans le fond de la mine qui s'est effondrée à Pingyi il y a maintenant plus d'un mois. Les secouristes ont, à l'aide d'un téléphone portable, filmé les différentes opérations de sauvetage en cours à partir du 25 janvier dernier, pour ensuite envoyer le téléphone aux quatre mineurs afin de leur faire garder espoir. Les mineurs avaient progressivement perdu espoir après plus d'un mois passé sous terre. Ils peuvent désormais renvoyer des messages avec le téléphone portable reçu. Je suis
Et autre sujet d'actualité, le rush de la fête du printemps a débuté le week-end dernier et ce sont près de 2,9 milliards de déplacements qui seront accomplis par le biais des transports publics durant cette période. Cette année, certains Chinois ont choisi de rentrer chez eux en covoiturage. Zhang Yu vit à Shanghai et comme d'habitude, compte visiter de nouvelles villes durant les vacances de la fête du printemps. Cette fois, il pourrait avoir de la compagnie cependant, alors qu'il vient de découvrir un nouveau service proposant de voyager avec d'autres personnes. Ce serait bien si je pouvais partager mon véhicule pour ramener les gens chez eux et gagner un peu d'argent pour les frais d'essence. Je ne m'attends pas à gagner beaucoup d'argent. Si l'argent peut couvrir 80% des coûts de l'essence, je serais très heureux. Le service a été lancé par la plus importante application de covoiturage de Chine, Didi Chuxing. Cela permet aux gens de poster et de réserver leur voyage jusqu'à 30 jours avant le départ. Les conducteurs et les passagers se choisissent l'un l'autre sur la plateforme de Didi. Le coût des voyages à courte distance, tels qu'allant de Shanghai vers Suzhou, est légèrement plus élevé qu'un ticket de train à grande vitesse, mais moins cher qu'un trajet à longue distance, comme de Shanghai à Beijing. L'entreprise est très optimiste quant à cette idée. Dans le passé, les gens achetaient des tickets de train, d'avion ou de bus. Mais que faire s'ils sont tous vendus? Cette année, nous fournissons une nouvelle solution. Nous estimons que davantage de personnes vont utiliser notre service à compter de dimanche et le début du rush. Jusqu'à présent, les principales réservations viennent de Beijing, Shanghai, Guangzhou et des grandes villes de second tiers. Mais est-ce que les passagers vont réellement payer pour ce service? Je vais tenter d'acheter un ticket de train d'abord. S'il y en a plus, j'essaierai cette application. Je pense que c'est un peu inhabituel de partager un véhicule avec un étranger. S'il y a des problèmes en matière de sécurité ou des différends, alors ce ne sera pas une bonne chose. Le ministère chinois des communications a déclaré qu'il accueillait ce mode de partage de véhicules pour le pic de voyage durant la fête du printemps, à condition que les plateformes Internet le fournissent sans charger d'autres conducteurs ou passagers. Et tandis que se rapproche le gala de la fête chinoise du printemps, les artistes qui se préparent à se produire sur la scène du gala s'entraînent sérieusement. En plus des vedettes phares et des artistes professionnels, un groupe d'apprentis ballerines américaines devrait éblouir le public par une danse qui combine la beauté des arts orientaux et occidentaux. 49 jeunes et délicates ballerines dansent sur la mélodie d'une ballade chinoise traditionnelle, la fleur de jasmin. Cette troupe de danse intègre au ballet la danse chinoise traditionnelle à l'éventail. La plupart de ces danseuses viennent de familles chinoises émigrées aux États-Unis, y compris la danseuse principale, Leila Nitian, qui raconte qu'elle a été très enthousiaste lorsqu'elle a appris qu'elle aurait l'opportunité de se produire sur la scène du spectacle de Nouvel An. Nous avons toutes été ébahies parce que vous voyez, nous ne pouvions y croire. Comment, venant de cette école de danse qui se trouve si loin de la Chine et en Amérique, pouvions-nous nous produire sur cette scène immense, comme ces gens que nous regardions à la télé? Nous ne pouvions y croire. La mère de Leilani est aussi très excitée, elle qui est si désireuse de permettre à sa fille de connaître davantage la Chine. Alors que la Chine devient encore plus importante dans le monde, comprendre davantage ce pays sera une bonne chose pour le développement de ces jeunes enfants. Quant à la seule fille afro-américaine, Alina, elle attend avec impatience son premier voyage en Chine. Je connaissais le Nouvel An chinois, mais je ne connaissais pas ce grand spectacle. Donc je suis très nerveuse parce que tout le monde en fait un si grand gala. Je suis très nerveuse, mais je suis en même temps vraiment excitée. Et tout le monde a travaillé vraiment très dur et je pense que nous nous en sortirons bien. Pour les Chinoises du groupe nées aux États-Unis, cette opportunité offre une chance d'en apprendre plus sur les traditions chinoises. Je suis juste principalement excitée parce que je sais que c'est une grosse tradition chinoise. Et même moi qui vis en Amérique, très loin du pays natal, je peux toujours le voir chaque année, le gala de la fête du printemps. Et je n'avais jamais pensé qu'une telle opportunité aurait pu se présenter à quelqu'un comme moi. Je suis donc très excitée que quelque chose de spécial se présente à moi.
Même si ces filles dansent pendant leur temps extrascolaire, certaines ont remporté des premiers prix lors du Grand Prix d'Amérique de la jeunesse avec cette danse. Et à présent que plus de danseuses sont impliquées dans le projet, davantage d'efforts sont requis. Le public était hors de ce con. Les filles étaient simplement époustouflantes. Il y en aura 49, donc c'est près du double d'étudiantes. Donc c'est la double quantité de travail et d'efforts qu'elles fournissent pour être toutes synchronisées et pour acquérir cette solide technique. Tandis que les filles devraient offrir au public chinois une performance éblouissante, elles vont aussi vivre une expérience unique en célébrant la fête du printemps avec plus d'un milliard de Chinois. La capitale chinoise, bien que tournée vers la modernité, vit également au rythme de ses traditions. Il existe encore des vieux métiers, quasiment inconnus du grand public, mais qui perdurent grâce à la passion de quelques acharnés. Liu Bingjiang est l'un d'entre eux. Son emploi, dresseur de pigeons. C'est Clémence Azuelos qui est partie à sa rencontre pour CCTV Français. L'hiver est déjà bien installé à Beijing, la capitale chinoise. Le soleil est à peine levé que la vie des routons du vieux Beijing s'anime à l'ombre des gratte-ciels. En cette saison, les températures matinales avoisinent les moins 20 degrés, mais cela ne va pas pour autant changer les habitudes de Liu Bingjiang, 68 ans. Cela là, c'est mes pigeons. Le paysage de Beijing, l'actuelle capitale de la seconde puissance économique mondiale, a considérablement changé au cours de ces dernières années. Des immeubles, voire des gratte-ciels, ont par endroits remplacé les hutongs, ces habitations traditionnelles. Mais dans ce ciel qui porte aujourd'hui les marques de la modernité et de la croissance économique, un emblème du vieux Beijing passe l'épreuve du temps, le pigeon. Quand j'étais petit, je nourrissais les pigeons parce que je les aimais bien. Mais en grandissant, j'en ai appris de plus en plus sur eux. Je me suis perfectionné, je les ai entraînés. Aujourd'hui, mes pigeons sont de vrais pigeons de compétition. Je les inscris aux courses de chaque district de Beijing. Ils concourent ensuite à la compétition organisée par les 18 districts de Beijing. Et comme ils remportent également des titres internationaux, certains de mes pigeons sont connus dans le monde entier. Bien plus qu'un passe-temps folklorique des retraités des hutongs, l'élevage de pigeons est une tradition chinoise vieille de plus de 3000 ans. Des recherches archéologiques ont montré que les pigeons étaient déjà considérés comme des animaux domestiques sous la dynastie des Yin. Aujourd'hui, leurs descendants bénéficient d'un traitement digne de sportifs de haut niveau. Je les fais voler chaque jour. Il y a deux types de vols d'entraînement. Le premier est le vol d'orientation et dure entre 40 minutes et 1 heure par jour, où mes pigeons doivent retrouver le chemin de la maison. Le second est une course d'endurance. Les distances varient entre 50 et 150 km. Les compétitions auxquelles mes pigeons participent sont des parcours longs de 350 ou même 550 km. Un bon pigeon peut voler à une vitesse de 80 km/h. La carrière d'un pigeon de course dure en moyenne 3 ans, mais c'est sans compter les intempéries et autres accidents qui peuvent survenir en plein vol. Les pigeons veulent à tout prix rentrer à la maison. Il arrive qu'ils ne terminent pas une course, ils croisent sur la route un oiseau de proie, un aigle ou un faucon. On peut faire un détour pour l'éviter et finir tard. Mais il se peut aussi qu'ils soient blessés et ne puissent pas rentrer. Pour leur dresseur, chaque pigeon a sa propre personnalité et dans le milieu, l'on dit qu'il est possible de voir le potentiel d'un pigeon dans ses yeux. Pour moi, mes pigeons sont comme mes enfants. Liu Bingjiang, qui tient ses pigeons de son père, compte bien les transmettre à son fils afin que celui-ci puisse faire vivre la tradition. Depuis Beijing, c'était Clémence Azuelos pour CCTV Français. Et ainsi s'achève aujourd'hui la Chine. Nous retrouvons Elsa sur Yang pour la fin de cette édition. Merci infiniment Raïssa pour ces informations concernant l'actualité chinoise et nous aurons le plaisir de vous retrouver en tandem dans une heure et demie. Excellente suite de programme sur notre chaîne.